Bonsoir, bonsoir ton YouTube. tube. Salam alaikoum, hein, ton tube. Ton tube à essai, tout ça, tout ça. Alors, nous nous battons contre des humains. Ça exactement, des et pouce bleu, hein, YouTube. Hein. Fais pas genre. Hein. Fais pas genre. Hein. T'adores les vidéos, elles sont plus courtes. Franchement, je suis sympa. Hein. Alors, on est. Oh, moi je vois. Mais putain. Mais... Non, ah, merci. Il voit des putains. Non, putain. Mais je vois un petit os de barde ici qui veut aller se faire plaisir sur trois gars. Moi je vois un os de barde dans ce pack là, il y en a 4 là ici. Il y a peut-être moyen d'inventer des choses. Oui, c'est vrai, je l'avais pas vu celui-là. Alors je sais pas si ça sera très utile, mais vu qu'il y a un voleur qui joue en premier là, je dis, il y a peut-être moyen d'inventer un rêve, une histoire. Ah non, je vais en toucher que 3. Je vais en toucher que 3. Alors, par contre, il y en a 3, ils vont manger. Hein. là, il faut juste un voleur, c'est suffisant. Il y a mon mur qui est un peu. Mon mur tout seul, j'aime pas ça. Après, monsieur, mon mur, il gère très bien tout seul, t'inquiète. Okay. T'inquiète, Mobiquette, on va jeter là-bas Taurus. Donc, personne ne l'aime, Taurus. Et c'est deux lieutenants. Voilà. Ah bon, ça aurait pu être pire, il aurait pu s'appeler Zinlen. Hein. Idéalement, ce serait. Pas mal que je mette Zinlen vers vous. Comme ça, les trois en haut. Ah non, vers c'est un vous artificier. Quoi il y a deux artificiers. Il y a deux artificiers. Non, je reste pas là-bas. Moi. Ok, c'est bon pour moi. En fait, ton pack du mid, il peut complètement te prendre les trois connards qu'il y a là. Les trois connards qui sont du côté de mon mur. Mais en ouais. fait, non, mais tu peux même. Excuse-moi, mais tu peux dégager de tirailleuse. Hein. Elle peut aller se tirer ailleurs. Hein. Elle fait comme dans l'infanterie. Bah parce qu'en fait, Os de Bard, il va plier les trois connards, il va en plier trois. Pardon, j'ai décalé Steven, faut que tu le ramènes. Tu décalé Steven, je sais pas où est-ce qu'il est, il est où, À gauche, tout à gauche, là. Ah d'accord, il est à la place de, voilà. J'ai perdu un gars. C'est bon, j'ai Steven. J'ai Steven. Ouais parce qu'en fait, mes autres gros, bon voilà, bon bref, un gros. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, ceci je est un gros. Je pense que je touche les trois. Oh oui. Petit massage des côtes là dans 3. 2, 1. Il fait combien d'attaques, rappelle-moi? 3. S'ils sont plus de 2. S'ils sont 2 ou plus. Ouf. La petite attaque dans le bas-ventre là. Ouais. Alors la petite attaque. Il en a buté 4. Alors je tiens à préciser que le style de combat anatomique est j'ai repoussé ses couilles et ensuite j'ai amené sa tête à la place de ses couilles. C'est structurel à ce niveau-là. Le gars a mal vécu son changement. Ensuite, qu'est-ce qu'il joue? C'est tout en haut, c'est un lancier. C'est un artificier. C'est chiant ça. Est-ce qu'avec Tyrius tu peux le one-shot? Très certainement pas. Ah, tu peux pas? Ah bah non, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu serais en train de me dire que tu es inutile? Je sais pas, je vais gérer. Tu recules! Et tu bouges pas, ma salope! Ah. Je l'aurais pas dans mon champ. Je préfère faire comme ça. Comme ça, j'aurai l'autre gros avec son marteau. Et normalement, il va me tirer dessus. Ce qui fait qu'il va cramer son pote. Ah non, bah, il m'a cramé que moi. Ok, what else? Qu'est-ce qu'il joue ensuite? Les mecs du côté de mon mur. Ah, mon beau le mur. Le tirailleur. Enfin, l'artificier du côté de mon mur. Oui, bon, il jouera pas. Là, il est préoccupé. Ah, un petit lattage de couilles, peut-être, d'abord. T'es engagé. Il a et mal. T'as la riposte. Et hein? Pourquoi je peux pas? Ah, je suis trop loin. Excusez-moi. Ah, c'est vrai que ça a réinitialisé tout mon move. Hop. Oui, ça a doublé mon move, excuse-moi. Voilà. Get en cagette. Le prochain à jouer, c'est un marteliste. Le pilleur. Le pilleur, il est pas dangereux. Le pilleur n'est pas dangereux. Pierre est extrêmement dangereux. Non.
Le pillard est un tantinet moins dangereux. Je tiens à le préciser. Une petite hache comme ça. Hop là, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je viens ici, j'engraine tout le monde. Voilà, et il est engagé. Oh, elle était coutelier là. L'autoroute, hein. Tu bouges pas. Ouais. Voilà. Si jamais il y a des choses qui t'inspirent, t'as envie de faire des choses. Moi j'ai bloqué toutes les voies, toutes les issues, j'ai embrouillé tout le monde. Mais si tu veux plus d'embrouilles, je peux générer plus d'embrouilles. C'est pas amplement suffisant, t'inquiète pas. Parce que lui par exemple, si tu veux pas le tuer, tu peux aussi aller voir Taurus et dire à Taurus, tu veux bien le tuer s'il te plaît? Parce que t'es lieutenant, je crois. C'est Mélanie, non, c'est... Ça fait partie. Excuse-moi, c'est vrai que le mec joue que des femmes. J'aime beaucoup ce que je viens de voir. J'aime le concept idéologique de se dire « Je t'ai assassiné avec mon poison, mais je te tranche la gorge quand même. » Dans le doute. J'ai mis feu à ton cadavre juste après. C'est Mélanie, tu t'en as trop pris, arrête. T'en as trop pris, ma fille. Avoir te calmer. Parce que vraiment, moi, la scène, c'était... je voyais le nuage de poison avec la tête de mort et tout. Et puis, ah, je te tranche la gorge quand même, quoi. C'est la même, t'inquiète. Elle les a un peu embrouillés aussi. Et là, c'est le moment où on l'entend gueuler derrière elle. Il faut dire, tu recules. D'ailleurs, en parlant de tu recules... t'aurais pas une tirailleuse qui voudrait aller faire la peau en artificier qui reste 29 PV là? Si, je vais y aller, je vais parce y que aller. Je profiter parce que je me dis qu'il peut rester statique et quand même aligner gratuitement des gens. Ouais. Mais moi j'aime bien. Voilà. Et attends, on va être très taquin. Regarde, hop. Ah, si je le tuais pas, il reculait encore plus. Certes. Le lieutenant, et mon puis, lieutenant. Attends, j'ai une Sophia à jouer. Ouais, elle a... Elle a du heal. Ah oui, mais elle est loin. Oui, vas-y, joue tous tes gars, hein, je t'en prie. Hein, joue toute ta squad. Vous êtes trois à jouer, normalement les deux ils meurent là. Hein. Je veux même pas en entendre parler. Non, hors de question. Vous périrez tous. Ah, t'es pas engagé, j'ai mal joué. Mais non, je suis pas engagé. J'ai mal joué. Mais non, mais te mets pas là, mets-toi à côté de mon mur. Ça génère de l'amitié. Et en plus, tu dégages le chemin, tes tireurs. Et t'aurais dû te mettre à côté, enfin à la place de l'autre cadavre. Idéalement. T'as réussi ? Pas de soucis. Je peux me mettre à la place de ce cadavre. Le mec qui a pas compris. Pause syndicale, hein. Le lieutenant, mon lieutenant. Mais le problème, c'est que j'ai pas de heal avec mon lieutenant là. Tu vois, je peux pas soigner mon Stevie en. Bon bah, on peut passer ton tour. Hein. Les deux archers, ils peuvent se mettre l'un contre l'autre pour donner des points à la limite. Y'a que lui qui peut donner des points en étant à côté. Parce que Zilette, c'est vraiment un crevard en fait. Non, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il génère. Et comme il a 4 attaques, c'est que 5 attaques dans le couteau qui peuvent potentiellement buter 5. Avec la galva, je pense que c'est putain. Voilà. Bonjour, t'avais de l'armure? Non, merci, au revoir. En dégâts vanilla, bien sûr. Oh, je récupère une hachette, ça me fait plaisir. Oh, et si on prenait quelques cadavres pour la déco? Non, je déconne. Que dalle. T'as vu le poids d'un cadavre? 10 kilos le cadavre. Ça intéresse énormément. Oh là là, le bonus de ressources. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tirailleuse. Tirailleuse qui vient de level up. Réduit les chances d'être attaqué pendant le repos, réduit les chances d'évasion des prisonniers. Le tabouret de ville, il sert à rien. Non, mais c'était juste pour la... Ah oui, c'était pour le craft. Non, parce qu'on veut se faire attaquer la nuit. Qui ne voudrait pas se faire attaquer la nuit? Alors, d'ailleurs, il faudra peut-être penser à un poteau de l'attelage de tier 2. Hein. Ouais, peut-être. Ok, c'est bon. Des couscous, là. Ouais, j'ai vu. Vas-y, je te laisse prendre tes couscous, moi je vais à la carrette. J'ai atteint une carrette, il y avait de l'or et du tissu.
Là, un moulin. J'ai vu une couscous. Là, du bois. Bois, couscous, tout ça. Ah, bon, bonjour, madame. Du blé d'art. Ah, bah, attends, faut peut-être d'abord la tuer. Bonjour, madame. Indique le trésor de la mercenaire. 10 balles. On lui donne 10 balles à la vieille, quand même. Vas-y, on lui donne 10 balles. Si, madame. Eh, madame, madame. Vous pouvez emprunter ce qu'il y a dans vos stocks, madame, s'il vous plaît. Eh. Eh, la voleuse, là. Tu veux pas emprunter ce que la madame, elle a dans ses stocks, là? Pardon. J'étais en train de regarder, vite fait, Ça descend quand même pas vite, hein. Non, mais ça va, le coin est tranquille. Oui, comme tu disais, couscous into bois. Vas-y, bois là. Tout ta couscous là-bas. Hop, je vais s'attraper ta couscous. Hop là. Nous, ils sont où nos connards qu'on doit attraper sur cette carte, ceci dit, parce que j'ai pas regardé. M, ils sont où? Derrière le moulin, ouais, c'est ça. Il faut traverser par là, derrière le moulin. Prendre la première à gauche. Deuxième à droite. Ah oui, longer le bord. Ah, t'as raison, vite, canne à pêche, tout ça, longer le bord. Je reconnais. Je crois qu'on les a trouvés. Ah non, de quoi? Non, ouais, mais t'inquiète. Bordure. Bord de fleuve d'abord. Pourquoi? Poisson, tout ça. Bon, y a rien. Oh là là, non, ah. Le campement. C'est le drame. Donc, on va savoir si effectivement tout ce que nous avons payé, une fortune, reste ou est gaspillé. Ce moment est fatidique. On va se mettre un petit morceau de 1, de ça. On va se rentrer un petit morceau de ça. On va se rentrer... on est déjà au max. Alors, rends-moi ça. Deux picoles tranquilles. J'ai déjà versé moi. Picoles. Je vais nous glisser ça. qu'est-ce qu'on se dit On se dit que c'est chiant, hein. Non. Ouais. Si, tu sais quoi, passe un chou et ça, parce que ça allège... Attends. Oui. Attends. Regarde dans les carcasses ce qu'on a aussi à récupérer. Je pense qu'il en a fait. Ah mais ça c'est il en fait à chaque. Faut faire passer en fait. Ah, à chaque repos, il génère comme toi, tu fabriques des outils, lui il fabrique de la viande à partir des carcasses qu'il y a dedans. 30% okay. De chance, on se fait attaquer. Déception. Déception. Eh par contre, on récupère 3 par 3 les points. Les points 2. Oui. Points bah 2, oui, il y a. Oh. Il y a ça Stevie qui en. Stevie, il a des choses à dire, je crois, non? Ah non. C'est Zinlen. Zinlen, vas-y, casse les couilles. Jérus, c'est que je ne veux abandonner personne, mais être recherché par la garde, c'est grave. Ce n'est pas trois bandits qui nous courent après, mais une patrouille de soldats entraînés. Non, Zinlen ira en prison, non. Enfin. Ah. Ah, il gagne le statut endurant. Sympa ça. Ah, vas-y. Hein. Allez, hein, faut faire des pompes, ma grosse. Bon, casse les gars ici. Attends. Quoi? On a pas regardé. Quoi? Il fallait que la bannière. Ah non, la bannière, c'est une fois acheté, une fois tu dois dépenser plus, hein. Non, c'est dégueulasse, hein, par contre ça. Hein, pire assez, artefact moi. Au monde. Ok, wow. C'est de la merde. C'est de la vraie merde, hein. Enfin, en tout cas, les coups sont démesurés et démesurables, hein. Les mecs qu'on doit buter, okay. Je sais pas, c'est des bandits, ils étaient là. Ils étaient là, ma bannière sert plus à rien, ça m'a stressé, il a fallu que je les tape. Je me suis senti obligé. Je me sentais pas serein, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a saoulé, hein. Ouais, j'imagine. Ah, ils ont... Ah, c'est un groupe niveau 7, donc faut faire gaffe. Dégâts contre les cibles engagées augmentés de 30%, les cibles engagées deviennent les cibles prioritaires. Ah! Ça vient par là. Ils ont une tactique. Tu feras gaffe, t'as mon lieutenant qui est un peu. Ouais, c'est là. Sexcentré. Lieutenant Will, est-ce que je ferais pas un pack central assez énervé de close combat? Ah oui, moi je veux bien. Tu m'as des locks. Et comme ça, toi, tu te mets sur un flanc. Sur un flanc de colline. Un flanc de là qui t'arrange. Alors, je te conseille peut-être plutôt de venir positionner... Alors, mon mur, attends, à mon beau mur.
À mon beau mur, pour la tankination, on peut le mettre là, mais on va mettre plutôt Will par ici, mon mur par là. Parce que, alors, ce qui est sûr, c'est que le gros os de bard, il va les taper là-dedans. Hein. Ouais, je te le certifie. C'est un maraudeur, les maraudeurs ils sont méchants. Hein. Les maraudeurs ils sont méchants. Ouais. Donc je vais. Ah oui, mais le malfaiteur il faut que je l'engage. Le maraudeur. Où est le maraudeur s'il te plaît? Ça c'est le premier qui va jouer. Je vais l'engager aussi. Je joue, c'est le malfaiteur, ouais. Ouais, je vais essayer de. Bah, si tu veux. Je crois pas que je vais pouvoir prendre tout le crew. Pas sûr ça. Ouh, c'est pas sûr. Ouh, c'est pas. Ouais, on va essayer de rentrer des choses, hein. Ah, il faut que je recule d'une case. Si je recule d'une case, je les ai tous. Oui, je les ai tous, mais j'ai pas le malfaiteur. Ah, l'huile de force qui proc sur le deuxième. Parfait. Et troisième bastos. Mais je peux encore faire des choses. Je peux encore faire une course. Into. Ouais. Engagement au corps à corps. Engagement. Avec un petit affaiblissement par-dessus pour clôturer. Voilà. Et j'ai régénéré le point de bravoure. On est bon. Comme ça, je prends sur une armure lourde, donc en mode je m'en bats les couilles. Ah oui, on a toujours pas les sangles ni rien. Hein. Lui, il faudrait, hein, parce que je crois que ce gros con, il est toujours en armure lourde. Et que ce serait appréciable, c'est quoi? Ah oui, moins 2 de mouvement. Si je pouvais retrouver 2 de mouvement, je me mettrais à galoper comme un lapin. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut alors déjà, ce serait pas mal que mon mur donne des points, honnêtement. C'est accepté. Et c'est engagé. Moi, avec Sophia, je peux aller le buter derrière. J'étais peut-être même en train de me dire, est-ce que je me colle pas par là comme ça si quelqu'un veut se coller à moi pour ensuite faire l'amour à un archer. Ouais. Petite huile de force. Voilà. Elles sont bien mes huiles. Ouais, mais alors avec Sophia, est-ce que ça serait pas intéressant que d'abord tu me fasses taper sur sa gueule à lui? Ou quel que soit le. Parce que je pense qu'avec un coup de lame avec huile de force, je peux lui faire mal. Oui. Ça te fait économiser des attaques dessus. Voilà, maintenant il est un peu gratos, t'as plus qu'à. Oh, dommage, j'y ai pas mort. À se demander, c'est pas intéressant que t'ailles tabasser l'autre qui est derrière pour lui envoyer des couteaux dessus. Alors. Mais Oui. Ou. T'as des cordes sur toi ou des chaînes? Parce qu'à première vue, tu peux le ramasser. Oui, mais c'est mon attaque de base qui sera. Qui fera à l'ouest. Ok. Non, vas-y. Donc. Ah, bah attends, regarde. On va faire une course. Voilà. Ah, c'est un petit dégât, je trouve. Je crois qu'il est un petit peu mal. Le truand ensuite. Non. J'ai pas engagé. Non, non, c'est juste par rapport à Zinlen, te mets pas dans sa trajectoire de tir. Enfin, par défaut, évite de te mettre dans les trajectoires de tir des archers. Pense-y en fait. Même si la Zinlen il s'en bat les couilles, mais. Un de ces quatre, tu vas te prendre une flèche en travers de la figure, tu vas faire. Ah. Mais non, mais elle a les yeux dans le dos. Ah, elle a les yeux dans le dos, elle. Ça, je m'en fous. Ah oui, parce qu'on. Ah oui, on est combien? On est 2 à l'avoir, je crois. On est 4 à l'avoir, en tout. 4? Putain, alors le gars il a une mémoire aussi. Excuse-moi, hein. Bah, si tu veux faire jouer un. Un lieutenant, Ouais, un lieutenant. Mais Stevie, il est pas lieutenant. Ah bah. Stevie, il est pas lieutenant, mais je peux t'envoyer un Tortus. Genre comme ça. Ouais, le truand va me taper, donc après. Oui. Voilà, il va fermer sa gueule surtout. Hein. Il va fermer sa gueule, lui. Et lui, il est engagé. Voilà. Oh, les dégâts. Pardon. J'avais pas compris. Pardon. Excuse-toi plus fort. Oui. Alors il a saignement, il a plus de garde, il a plus rien. Je crois qu'il y en a un qui a des bonus contre le saignement. Je dis ça, j'ai rien dit.
Ouais, il a 30% de... Putain, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui faire un poil plus de dégâts. En fait, si j'avais pu lui mettre ma hache, j'aurais pu lui sortir un courroux derrière. Mais bon, voilà. C'est bon pour vous, là? Je vous laisse un peu de marge d'erreur. Alors, si, j'aimerais bien bouger. Alors, ça bouge comment, ce truc? Ah, ça atteint mes deux gars. Ouais. Ah, non. Ça va taper, Ah, ça. c'est chiant, ça. Après, mets un lieutenant Stevie là. Un Je mets un lieutenant Will Steven là. là. Je pousse ce Ah non. connard. Ouais. Et je pose ma zone. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, je n'ai pas le plus 35% de dégâts critiques avec Zinlane. Ah, c'est pour ça qu'il fait pas encore beaucoup de Il n'y dégâts a en pas une histoire de critique. si je suis engagé, les dégâts sont doublés si elles sont à distance. Ok, c'est bien ce que je me disais, je fais pas de dégâts. Excusez-moi. Ah. Ah, Là, c'est c'est bon, t'es à bien. distance. Ah, le petit 42, la réponse. Est-ce que je te la pose pas, genre juste comme as, mec? Tranquille. Tranquille. Bouge pas, Ouais. on va pas plus loin. Je vais pas bouger, chef! Ah oui, t'as pas bougé du tout même, tu peux ajouter. Ouais. Lui, il va tenter de taper Steven, donc c'est peut-être pas la peine que j'aille le taper pour le moment. Bah, je Non, te là, ce qu'il dirais faudrait, de. c'est... Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, je te dirais lieutenant Will ici. Il tape le truand là, il le fait reculer. Et il est là en fait. Il met sa zone. Parce que le braconnier, comme il les a apportés, il va être con, il va tenter de tirer à travers les deux. Donc t'as une couverture par rapport aux maraudeurs et aux truands. Donc tu seras bien en Ouais, fait. double zone. Ouais, double zone. Une sur Moi, je lui serais et. plus descendu tuer le maraudeur. Ah ouais. Parce qu'en fait, ce qui m'embête avec Will, j'aimerais. Il a son ordre de lieutenant. T'as personne qui est engagé avec quelqu'un à toi à portée, à part si tu vas sur. Si, mais il faudrait ça m'oblige à rollback pour aller sur soit House de Bard. Et ça serait plus os de barbe, mais bon, vu que t'as tes 3 là-haut qui ont pas joué, Ouais. est-ce que c'est vraiment nécessaire? Lui, est-ce qu'il m'atteint? C'est la question. Il ne m'atteint pas, donc toi tu peux jouer quelqu'un pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, je vais attendre que son malfaiteur bouge et on verra. D'accord. Ok? Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Regarde. Bon. Bon, écoute, je vais me mettre à côté de Taurus. Hein. J'avais pas vu le piège, putain. Saleté. Et puis voilà. Et il vient bêtement se planter là. Ok. Ok, je vais venir là. Une petite brutalité. Aïe. Oh, la tête de la lance. C'est pour ça que je suis lieutenant. Ah oui, mais toi, t'as rupture de tendon avec lui. Ah oui, c'est vrai. Ça fait mal, ça. À ce qu'il paraît. Ce qui paraît, il y en a qui s'en souviennent encore. Non, je crois qu'on va se prendre une flèche, hein. Va falloir Allez, accepter moyen. qu'on se prenne une flèche, je pense. On va se mettre derrière. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser un point? Ouais, c'est un point de bravoure. Oui, vas-y. Il tape, il meurt derrière. Voilà. Pile-poil. Désolé pour l'armure. Et Edenal. Edenal, il va aller là. Et la nouvelle tirailleuse va aller ici parce que ça sert à rien de les avancer plus.
Tu recules, il a reculé le rec... Tu recules. Tu t'es fait reculer. Il a reculé le reculeur. Ouais. C'est vraiment ce qu'il a fait le mec. Ouais, c'est vraiment ce qu'il a fait là. Ah là 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 là. Combien qui a passé une sale journée. Hein. Ouais. Il passe une très sale journée le type. Et là, bah y a tout le monde à jouer hein. Alors... T'as mon mur qui peut les atteindre normalement. Facilement même. Y'a mon mur le... Oh le petit le petit tu gambades dans la forêt, regarde ça la portée de déplacement de mon mur. Non j'ai pas vu. Alors, attends, on est en train d'essayer de calmer des gars là en leur expliquant que. Ah, ils sont démoralisés. Ah, comment t'as répondu à la question si vite? Non, non, mais regarde le déplacement de mon mur. Je veux que tu regardes le putain de déplacement de mon mur. Distance de déplacement de mon mur. Ah oui, il a tué quelqu'un, visiblement. Bon, bah, mon mur, hein. Vas-y, je pense prie. Que toutes réponses ont été apportées dans cette question, effectivement. Bonjour, je m'appelle Amon Beaumur. Votre chef. J'ai été un voilà, peu brutal. Permettez-moi de vous finir avec un coup de latte, quand même. Vous êtes mort en toute indignité. Combien? 120 combien? De quoi? Oh, le bordel. Oula, bordel oula. Récupère l'immortel. Le crochet. Ouais, la dague d'empoisonnement, non? Je sais pas. Non, bah non, j'ai bien. Je récupère les PQ, les trucs, les machins, les chaussettes et les slips. Et je répare les mecs. Vas-y. J'ai réparé mes gadgets. Eh ben... On les a bien... Oh, 5 de métal. Très apprécié. Ah, oh, un petit coin de pêche. Petit coin de pêche, petit coin de pêche, petit coin de pêche. Tu l'as vu, ce ah, petit le coin de pont pêche. Qu'on a fait tomber. Mais oui, rappelez-vous. Et rappelez-vous. À l'épisode précédent. Est-ce que c'est pas le moment... C'est pas moi, c'est moi qui ai cliqué dessus, donc c'est pour c'est, ça que... Attends, est-ce que c'est Tyrannus qui a essayé de prendre la place du lieutenant, là? Ouais, ouais, elle a pas fait exprès. Observez le lieutenant. Encouragez-moi plus fort. Mais non, c'est on ça. Va faire tuer les poissons. J'ai pris ma bonne grosse canne. Parce que je tiens à préciser que j'ai quand même deux cannes. Hein. T'as vu, il y en a une dans le tonneau à côté. Le gars a deux cannes, quand même, on sait jamais. Ouais. Le mec, c'est un joueur de golf, en fait. T'as 28 hameçons, on en a fait quelques-uns. On a un petit peu trop de métal, je crois, pendant un moment, non? Ouais, c'est de ça, ouais. Allez mon lieutenant, allez mon lieutenant, ta gueule tu fais fuir les poissons, mais c'est vous qui nous avez dit de nous encourager, pas de chier. Oui mais en silence, deux brochets. Alors, l'efficacité d'un lieutenant impressionnant. Ah oui c'est vrai, tu peux empêcher deux, t'as une chance d'empêcher deux à la fois. Ouais. Et un autre brochet. Travail brochet. Terminé. Ah, ah d'ailleurs il y a une cabane de pêche-pêche par là. Ah, ah oui, il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires par ici. Il y a une couscous, il y a une couscous, arrête, il y a une couscous. Allons d'abord à la pêcherie étrange. Non, de l'essieu. Pêcherie étrange. Parce qu'il y a un lieu de pêche. Mon dieu, nous n'avons plus que 20... Tu vois la même chose que moi? Oui, le bouchon sur le côté, là. Ouais, exactement. C'est spatial. Le bouchon est décalé par rapport à la ligne. Oui, bonjour. C'est des pouvoirs de lieutenant. Ça me permet d'attraper des baleines alors que je pêche dans un lac. Ou dans un cours d'eau. Dans une flaque. C'est ça la magie de la pêche. C'est ça mon excellence, voyez-vous. Je peux devenir... Attends, le fil il a fait n'importe quoi sur la fin. Je peux devenir un pêcheur comme ça sur Heroic Chaos. Ah, dans les terres mortes. Déjà à l'époque... Oh, inspecté. Et si je jetais 3 blés? Attends. Est-ce que j'ai 3 blés dans ma poche qui sont pas des... Voilà. Hop, donne-moi ça, donne-moi du volet. Merci. Hop là. Jeter 3 blés. Voilà. Quoi? Pourquoi ça va remettre encore. Ok. Un poney. Alors attends, je te rends le volet, je reprends le non-volet. Hop là. On a j'ai un invoqué gratuit. Un poney. Bonjour poney. Recruter. Comment tu t'appelles poney? Attends, inspecter d'abord. Inspecter le poney. Il est agile. Voilà. C'est un poney sympa. Moi je propose de le recruter ou alors on peut le laisser là. Non, recrute-le, ça fait un poney gratuit.
Allez, attends, on a un poney gratuit. Et on est voilà. 15. Ça veut dire que on va pouvoir aller, une fois que le succès aura bougé, on peut aller chercher des points supplémentaires là. Recruteur, un PP. On a gagné un PP. Et on n'a rien gagné d'autre. Artisan, novateur. Ah oui, il faut créer des stuff, faut créer des trucs, des machins. Ok, ok, bon écoute, let's go. Hein, ouais, ah oui, monter le poney. Montage de poney. Plus de capacité de transport. Plan de carrière en constite. Plan de carrière en constite. Constite. Plan de carrière en constite. Plan de carrière en constite. Plan de carrière en constite. Plan de carrière, s'il vous plaît. En constite. Et on peut plus le monter de niveau parce qu'on est un petit peu embêté sur les points d'influence disponibles actuellement. Ouais. On en a, voilà. On en a moins. Faut vraiment apprendre la boucle de rechange. Ah par contre c'est un accessoire de ceinture. T'as quoi un accessoire de ceinture avec ton... Ton os de barde, Accessoire de ceinture. Oh, il a une chic. Ah c'est le truc... Mais non mais accessoire de ceinture c'est l'autre d'à côté non? Non, ça c'est accessoire de sac à dos. Ah, ce sac à dos. Non, mais la chic, on peut la dégager. Hein, je l'ai équipé, mais le mec prend jamais de dégâts. Et même s'il prend des dégâts, c'est tellement de caisse à PV qu'on s'en fout. Il est jamais en dessous de la moitié de ses points de vie. C'est probablement le mec qui a subi le moins de blessures, alors que c'est le gars qui est toujours au corps à corps. Non, en même temps, il fait des trous dans le corps à corps, des gens. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors si, attends, excuse-moi, je vais juste profiter de la pause syndicale juste pour, pas le rendez-vous des inquisiteurs, mais on a une carte de mercenaires. Ah, on a maintenant le trésor dans la montagne à cheval, là. Eh ben, je te laisse on regarder aller chercher moi, à l'occasion. Bah tiens, je vais te la remettre, mais de toute façon, tu verras à peu près où ce que c'est. Hein. Tu la laisses dans le coffre de camp, comme ça, on pourra la consulter à l'occasion. Ok. C'est bon pour vous? Voilà, okay, il faudra qu'on aille la chercher. On a une quête ici. Mais attends, on va faire un tour de map. Oh là, le gars est d'une agressivité. Oh, il est pressé de finir le jeu. Hein. Alors, je vais retourner jouer à League of Legends. Hein. Regarde, regarde, c'est pas l'instant de notre lieutenant quand même. Parce que notre lieutenant, il est là en train de nous regarder, nous dire mais c'est moi qui vous nourris depuis le début. Alors, non, c'est Taurus. Ok, d'accord, je vais fermer ma gueule. Taurus, c'est qu'une femme à la cuisine. Voilà. Et là, il est en train de déguiser les hachoirs. Alors, lieutenant, attends, vous savez qu'il y a une femme qui est lieutenant. C'est pas possible! Je crois pas. Je pense qu'elle est sous le lieutenant. Mais attention, tu vas devenir un demi-lieutenant. Sans oh, je pêche les sardines par deux. Impressionnant. Okay. 4 sardines. Hein. Le lieutenant, il doit faire attention à son coup la prochaine fois. Il pourrait l'avoir et être. Putain, 6 sardines, hein. Ça pêche, hein. D'ailleurs, voir vite fait si on peut faire. Ah, t'es trop loin. Ouais, hop, je sais. Le bout de bois. Hop, les couscous. Hop là, la ferme de Mahé. Mahé. Dégagez-les, on était là avant vous. On peut pas leur faire quoi. Ah, par contre, ils nous ont donné du blé, du miel et un manuel de travail. Oh. On part, on repasse plus tard quand on aura fait un peu de répute. Bah écoute, on a des bandits. Les attaque et on est sûr de l'avoir. Bon, vas-y. Sinon, on pourrait les attaquer. Hein. Après, ça se trouve qu'on l'a. Hein. Alors attends, je vais te transférer tant que j'y suis tes couscous, hop. Et moi je vais te transférer le... Non, je vais garder le bois, tu sais quoi? Garde le bois. Ça sent la fin de map. Hein. Ah non, il y a encore des choses. Est-ce que ce serait le centre d'entraînement de métal là? Oh, est-ce que c'est pas le moment de sortir un petit piton ça? Ça je reconnais, hein. C'est les Monty Python ça. Monty Python. Hop là, c'est le mont du Python. Oh, la grotte des naufragés. Allez, des on a gagné un point. Allez. Attends, je vais récupérer l'immortel. C'est un point de quoi? Un point de et le lieutenant qui va nourrir toute la troupe. Non mais vraiment, ce lieutenant est d'une qualité. Et là, il pêche dans la mer. Qui est officiellement toujours apprenti en plus. Ah ouais? Chaud. Ouais, toujours. La jauge, elle monte pas quoi. Bah oui, on a pris les... Bah oui, tu nous as pris des bilus, on apprend pas les métiers. Oh. Oh, c'est incroyable. Allez, on va bien. Oh, l'alchimiste va bientôt devenir compagnon, au passage. Bien joué. L'érudit, toujours novice. Et je crois que le leader, il est parti pour devenir maître. Hein. Je crois que c'est le seul avec le forgeron à avoir. Ah! Il est devenu confirmé!
Ah! Et ça fait quoi? Ah bah je sais pas. Comment on fait? Attends, campement. J'aime bien être en pause quand je regarde des trucs. Le lieutenant, mon lieutenant, il est où? Il fout quoi lui? Il est range. Ah, c'est vrai que c'est le seul qui a le droit de se reposer, excusez-moi, j'avais oublié. 2 de volonté et 3% de critique. Hein. Oh, pas mal! On est passé quand même à 27% de critique. Hein. Chez les lanciers, on est énervé. Hein. 25 et 27. Hein. Attends. Ils ont des arguments. T'as plus de critiques que mes. T'as plus de critiques que mon. Ah, mais ils sont chauds, mes lieutenants! Ils sont chauds, hein, mon gars, mes lieutenants! T'as plus de critiques que Edenal, Zinlen a 29% de chance de coup critique, ça va encore? Je crois que c'est Sophia qui en a le plus. Visiblement, on a débloqué Explorateur. Nous avons découvert 5 lieux. Voilà, nous avons gagné un petit point. Pas mal. Un peu plus dans la connaissance. Et nous avons un point structurel, monsieur. La boucle de rechange? La boucle de rechange, si tu ou veux. L'aiguille, si toi, il y a des trucs que tu voudrais équiper. Qui porte une armure légère, augmente de 10, coup critique contre les cibles qui portent une armure légère, augmentée de 10%. Voilà. C'est toi qui vois ce que t'as prévu alors, de produire. Attends. La marmite 2, ça t'intéresse pas? Mais on l'a déjà, la marmite 2. Non, la marmite 2 étoiles. Ah, 2 étoiles, deux donc étoiles. La tier 3, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait donc? Réduit la nourriture de 6. Ah, ça commence à faire beaucoup. Hein. Les recettes donnant des bonus ont 30% de chance d'être délicieuses. Chaud. Après, t'as Attends, il y a le potal des poneys, là aussi. Hein. Ouais, t'as assigné le feu de camp aussi. Il y a 5 points de transport supplémentaires. Les poneys de combat assignés au poteau d'attelage gagnent 10% d'expérience supplémentaire. Oh. T'as le feu de camp aussi. Ouais. Il dit quoi le feu de camp? L'atelier. L'atelier aussi. Il dit quoi? Améliore les bonus liés au bonheur. Oh, je suis pas sûr. Atelier. C'est le bonus. Vous pouvez démanteler les armes et armures et accessoires peu précieux pour obtenir jusqu'à 1 de ressources. Bon, en vrai, on n'a pas besoin de ça. Et des ressources. Et des ressources, ça veut dire que je peux récupérer du Ah, et des ressources. Ok. C'est ça. Oui. On n'en a pas un grand besoin, surtout qu'en plus, là, il faut qu'on en vende. Le jeu nous demande d'en vendre pour améliorer nos trucs. Je peux récupérer du métal, du cuir, de la corde, ce genre de conneries. En les démontant. Oui. Mais il faut qu'on en vende, là. Dans les objets du jeu, il faut les vendre. Il faut en vendre 10 de tiers 1, etc. Ouais, le mannequin d'entraînement. La tente de niveau 2, hein. De niveau 1, déjà. Oui, de niveau 1, excuse-moi. Oui. Enfin, je parle de niveau 2 parce que la niveau 1, c'est la niveau 0, ouais, quoi. Une étoile, quoi. Voilà, c'est ça, sur la une étoile. Le lutrin de tier 2, c'est quoi? Le lutrin? J'ai même pas fait gaffe. L'étude des antiquités dure un jour de moins. Non, c'est pas grave, ça, c'est pas gênant. Ah ouais. La table de commandement. Stratégie. Table de stratégie. J'ai l'impression que ça ne change rien. Mais à mon avis, ce que ça change, c'est le contenu. Ouais, je pense qu'on va aller chercher ça. Allez, hein. Bah attends, est-ce qu'on a 10 de bois? T'as du bois, toi? Oh, j'ai 3 de bois. J'en ai que 2. Je t'ai donné les 2. Mais on n'a pas de quoi la produire. Donc pour l'instant, c'est pas très intéressant. Le séchoir à viande. Sécher du poisson non, produit également de l'huile. Oh, rigolo ça, mais c'est pas vital. Oh, ouais. C'est pas vital. Pouette. Ta fillette en termes de mannequin, elle est loin du niveau des autres ou pas là? Elle est niveau 6, donc. Niveau 6. Elle vient de passer niveau 6 et. Je vais prendre un des premiers, je pense que c'est. C'est une laine. Va bientôt passer coup. Niveau 8, donc ouais, 2 niveaux de retard. Ok. Ouais, pour savoir si on améliore le mannequin ou pas. Même si moi je serais plutôt aiguille ou boucle de rechange parce que ça améliore concrètement au combat. Vas-y. Et bien sûr, je serai pour un potal d'attelage, puisqu'on a de quoi le faire. Ouais. On a des 6 de corde, on a du sel. Ah, quoi que non, sel, j'en ai que 3. J'en ai 4 dans le. Non, c'est du blé que t'as. Ah oui, mais oh putain, oui, je suis débile, moi. Parce que, en fait, ça a l'air de rien, mais quand on va repasser en ville, on va encore se recharger de marchandises. Hein. C'est encore ce qui va se passer. soit ça, et la marmite, elle est faisable. Marmite, t'as de quoi la faire? Attends, je regarde. Parce que je suis pas sûr que t'aies 4 degrés. 4 degrés. Non, j'ai pas de 4 degrés. Donc 4 degrés, faudra aller chercher en ville.
En nourriture, moi, il est en train de me dire que j'ai encore des recettes à prendre là-dedans. L'anguille bouillie et le poulet braisé. Rien d'utile, nécessaire, urgent ou peu importe. L'anguille, t'en as combien produire. De quoi? Des anguilles, t'en as combien? J'en ai 4 sur moi, mais tu sais, avec j'ai la recette qui, avec du chou, me permet de faire le bourré qui donne de la dexte. T'as le bourré d'anguilles. Donc, ouais, c'est ça. Après, c'est bien juste la débloquer pour à l'occasion. Non, je propose pour l'instant, vu qu'on n'est pas en ville, qu'on n'a pas les ressources ni rien, de ne rien débloquer, de rouler comme ça. Ça te dit? Ouais. Voilà, y a rien à gagner. Hein. Après, ouais. on peut prendre les boucles de rechange pour toi, ton malus de déplacement. Hein. Ça ferait que tu peux te déplacer. Oui, c'est ça. Ou même les aiguilles, hein, parce que les aiguilles, je sais pas ce que les autres, ils ont d'équipé sur eux en équipement de ceinture. Mais tu prends tirailleuse, elle a rien. Hein. Ouais. Mon berserk, il a un critique à 5% déjà sur lui, donc il en a pas... C'est aussi bien... Critique augmentée de 10% lors d'une attaque dans le dos. Sophia, tu vois, elle a un 10% lors des attaques dans le dos, mais c'est limite à se demander si c'est pas plus intéressant 10% contre les armures légères tout court. Alors, les armures légères, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. Ouais. Comme les cochons, les bêtes qu'on meule beaucoup plus. Ouais, je sais pas si elles ont une armure ou pas. Chance d'assommer un ennemi, ça c'est mélanine. Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Mélanie, augmenter de 15% en su, oui, bon, elle l'a, mais bon, c'est de la déco ce qu'elle a, j'ai envie de dire. C'est histoire de dire qu'on a équipé quelque chose. Ça. Mon mur, il a dégâts subis, des attaques d'opportunité réduites de 50%. Tu vois, ça par exemple, pourrait complètement le dégager pour prendre ton truc. Les croix serrées, c'est cible contre qui saigne déjà, ok. Et ici, on a du 1 de volonté. Tous les lieutenants, ils ont 1 de volonté. Plus 1 de volonté. Ah non. Coup de truc hein, au final. Hein. Ah si, ils ont tous les deux le plus 1 de volonté. Oh putain, mes deux lanciers. Hein. Ils sont. Enfin, parce que j'appelle les deux lieutenants, mais en vrai, les deux sont faits pour être des lieutenants. C'est insupportable. Tac. Petit tour à la cuisine. Non, on peut économiser. Soit tu veux prendre les boucles, tu peux prendre les boucles. Non, oh, okay, honnêtement, y a pas de soucis. Non. Est-ce qu'on se tape un repos maintenant ou on essaie de pousser un peu plus? Oui, non, mais on peut pour l'instant. Ah, je sais pas, on avait le malus ou on n'avait pas le malus? Non, pas encore, hein, on l'a pas. Ok, bah alors attends, je fais des petits plats. Je suis. On se fait du brochet. On se fait de la sardine. Je suis un idiot ou je suis un idiot? Oui. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse puisque c'est du brouet. Non, d'anguille, j'ai pas d'anguille. Ok. Potage, pardon, les résolutions c'est intéressant en fait. Je viens de lire le petit truc. Chaque repos diminue le coût de toutes les résolutions non utilisées. Donc ça veut dire qu'au prochain repos là, ça va redescendre à 100. Très certainement. De qu'est-ce que t'appelles les résolutions? Les trucs du drapeau? Ouais. Et t'as lu ça où? Tu ouvres le drapeau avec ton clic droit et t'as une petite bulle d'aide en haut à droite par rapport aux résolutions. Permettre de motiver votre troupe jusqu'au prochain repos. Plusieurs résolutions différentes peuvent être déclenchées durant la même journée. Chaque utilisation d'une résolution augmente son coût. Chaque repos diminue le coût de toutes les résolutions non utilisées. Ouais, mais un minimum de combien? Bah, j'imagine 100. Bah voilà, donc ça reste hors de prix. Parce que n'oublions pas que à part le XP où en gros tu sais que tu vas te battre tous les jours. Ouais. Bah sinon tous les autres ça va être du hypothétique. Ouais, c'est chiant. Ça va être du hypothétique tout le temps. Surtout, vas-y si t'as envie de passer en mode récolteur de ressources, t'es en découverte de maps, etc. Mais nous vu que les maps on les a déjà bien ouvertes. Nous à part le bonus d'XP, sinon tout le reste c'est du vent. Hein. Et là il reste à 200. Faut voir à combien il redescend. Ok, et bah de toute façon on va forcer. Oh, on verra ça au prochain repos, tout à fait. Bah, on a une mine. Grotte des naufrageurs. Ouais. Des naufrageurs. Une mine. Ils appellent ça une mine. C'est pas... Ça a l'air d'être une mine, hein. Tiens, elle s'enfonce dans les ténèbres. Il nous faut des torches. Ah. Tu vas nous faire des torches, toi. Ouais, il va me faire du... Sujet. Alors, cool. Bouge pas. Ça a l'air d'être les vrais embrouilles, hein. Oh, envoie du tissu, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Hein. J'espère que ça suffiront. Ouais, ça devrait aller. Hein. On va en faire 5. Fais tout.
Non, calme-toi, hein. Moi j'ai un bouclier qui peut prendre ton arme, j'ai pas, j'ai que deux gars qui peuvent prendre une torche, hein, maximum, maximum. Moi j'en ai deux, hein, qui peuvent prendre une torche aussi, hein. Oui, moi c'est maximum, il y en a un, c'est quand même le porte-bouclier du groupe. Ouais, bah écoute, j'en fais deux. Ça nous bouffera deux bouts de bois. Ouais, C'est surtout ce hop. qui est embêtant. Tac. Une pour les Tega et une pour Sofia qui se déplace pas mal. Taurus. Coup de Taurus. Allez, Taurus. Je mets le bois là. Le fer aussi. Pourquoi ça La se grège, je sent le pas carreau. avec ça? Si, ça sent pire avec ça, merci. Ok. Sofia. Tac, la main gauche. Ok. Allez, on y retourne. Let's tong. Allons dans les Ah, faut coffres. pas l'avoir d'équipé. Attends, je vais déséquiper une torche. Vas-y. Hop, ici. Totorus. Prends ça. Fermé. Partir. Alors, après avoir vu, je peux rien faire. Faut que je revienne. C'est bon, ouais, c'est ça. Il faut avoir une torche dans l'inventaire. D'accord, bah vas-y, je te Utiliser laisse une faire. torche. Nous avons trouvé des contrebandiers de Beleriand. Bah vas-y, hein. Les individus qui étaient cachés dans un trou, visiblement. Ouais. Est-ce qu'on va devoir se battre dans l'obscurité la plus complète? Très bâtard. Non, c'est ok, c'est une mine. C'est une mine classique. Ok. Oula. Oh, c'est une mine tunnel, hein. Ils ont pas Waouh. l'air très, très optimisés. Bon, os de barde. Os de barde est parfaitement bien placé. Tout le monde peut aller voir ailleurs. Il est où? Ah, il est devant ton groupe de gars là. Il y en a trois en Ah face de ouais. lui là. Ah, Il veut quoique, pas. ils sont peut-être pas très bien placés les trois. Bon, on trouvera. Fais voir comment il peut. Ah, oh, si, c'est bon, il giflera les trois. Ça va bien se passer. De toute Ok, mais façon, au la pire, mine. il arrivera à survivre à une baffe. Mon mur, tout ça, Sofia, il y a des placements qui t'intéressent. Ah, c'est pas très très ouf niveau placement en fait. C'est pas dingounet, hein. Eh J'aurais ben, donné ma place à Sofia, lieutenant. Oui, il aurait bien donné sa place à Sofia pour que Sofia puisse courir sur l'archer au loin, braconnier derrière. Mais ouais, c'est à ça peu près peut se tout ce faire. que je vois. J'ai du lieutenant pour embrouiller du monde. Ah, si t'arrives à nettoyer ce pack-là avec Os de Bard, vas-y, hein. Oui, après, il faudrait Autant. Mélanine, quoi. Full close combat, quoi. Hein. Bah, elle est là. Full close combat. Non, mais je parle Mélanine à côté du pack de lieutenant, tout ça, là. Hop. Ok, Ah, excusez-moi, vas-y. excusez-moi, je fais un truc. Hop, hop, voilà. Je pose. Voilà, donc deux lances, deux Ok. couteaux. Et les deux gros bœufs, là. Les deux gros bœufs. À moins que tu veux que je place plutôt les deux gros bœufs en bas et tes deux Non. couteaux en haut. C'est bon, T'es sûr? Sofia peut. Après, si tu veux la place avec mon mur pour donner des points, parce que c'est pas Pas négo. déconnant! Allez, ça dégage. Non, non, mais en vrai, attends, je suis en train de te faire une blague, mais ce qui est bien, c'est que je te pique Sofia se mette à la place de mon mur. Attends, Ouais. tac, 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 into tac. Voilà. C'est bon pour vous? Ouais, vas-y. Allez, nettoyage. Au top, d'abord. Nettoyage, mais nettoyage sans points. On n'a pas de points. Je tiens à préciser. Nous n'avons donc que l'attaque de base. Ah, il y en a un que je touche pas. Ah, c'est pas grave, tu touches les deux qui jouent, c'est déjà pas mal. Et j'ai pas de quoi courir, dommage. Lutte de force? Non. Voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce qui joue après? C'est le bouclier. Est-ce que t'as quelqu'un qui peut avoiner un bouclier dans tes archers au top? Ouais, non, je pense pas que t'as de quoi casser un bouclier. Il a encore de la Mélanine ou je garde? mets un Non. Taurus dedans? Mets un Taurus dedans. T'as plus de. T'as quand même un truc qui te t'augmente tes dégâts de 100%, 150%. Donc ta première attaque, ça peut être assez violent. Dessus. Mais idéalement, c'est une arme de jet, ma première attaque. Ça, tu vois, ça c'est Ah. l'idéal, c'est ma première attaque, c'est une arme de jet. Parce que j'ai pas ma triple attaque. Parce que du fait qu'on n'ait pas de points, voilà, là j'ai un Ah point. ouais. J'ai un point, donc tac, tac, into tac. Je l'ai bien diminué, il est gratos, hein.
si jamais. Si jamais, mais ça devient pas. C'est pas la priorité, il a déjà joué. La oui, c'est priorité, ça. Il est engagé. Celui-là. Donc je te dirais de prendre des... de mettre des points avec ton. Mon capitaine. Ton bon mur. Ton okay. Capitaine, mon capitaine, et peut-être aller le fracasser, le truand. Et voir ce que tu peux faire après. Non, oh, le truand qui va jouer. Je peux pas. Ah, je ne peux pas, tu... tout le monde est au milieu. Donc, dommage, oui, parce que notre placement ne permet pas de passer mon mur, c'est bien dommage. Eh bien... Hop. Ah, pour prendre une avoine gratos de l'archer ? Oui, quand même. Bon, après, t'as le truc qui te réduit les dégâts des archers, donc c'est pas dérangeant. Et après lui, hein. T'as rien besoin d'autre de faire, en fait. Voilà, comme ça j'ai généré 2 points, j'en ai utilisé 2, bilan nul. Ok, tu deviens pas une priorité. Quel est le prochain à jouer? C'est cet archer là, ok. Alors, on va faire ceci. Celui-là là. Ah oui, il y en a encore un, hyper... ok. Touk touk touk. Voilà, allez. Merci Sophia. Mauvaise attaque. Faudra peut-être que tu augmentes son déplacement, Sophia. Ça a l'air d'être compliqué. Ouais, ça a l'air d'être. Elle arrive pas encore à faire des tours de map entière comme ça, là. C'est un peu. Ouais, ouais, non, mais un peu chaud, c'est hein. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, hein. Ouais, c'est un peu chaud, hein. Ah, tu veux me donner la bonus action? Vas-y. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as du heal? Parce que tu peux me heal aussi. Oui, je peux te heal. Pour enlever le poison. Royal. Royal heal. Le bar. Entamer son armure. Et est-ce que c'est vraiment sur toi que j'ai envie que tu aies une attaque d'opportunité? Oh, allez, vas-y, cadeau. Comme ça, il est mort. Sophia, c'est compliqué, hein. Ouais, bon, bah écoute, je vais rester là. Tu peux engager des gens ou pas? Non, je n'avais plus aucune attaque. Donc là, il y a encore... Bah là, c'est tes archers, mon gars. C'est tes archers qui doivent faire des choses. Hein. Ouais, donc on va faire les deux là, plus forts. La mitraille, la mitraille. Alors non, je vais faire ça. 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 Et merde. Bon, c'est pas grave. Hop. Et tac. Et on va les rapprocher. Voilà. Ah oui, t'as encore Mela 9 qui n'a pas joué. Mais ouais. Et si tu peux pas atteindre le braconnier? Le braconnier? Non, elle a pas le. Donc il va falloir t'attendre que le braconnier joue avant de jouer. Idéalement. Ouais. Et j'ai qui d'autre à jouer? J'ai tirailleuse à jouer encore. Tirailleuse. Je préfère d'abord jouer les lieutenants. Vas-y. Pour les positionner. Après, si tu peux le. Et le pousser ce connard là-dessous. Et si tu peux lui bloquer son mouvement, comme ça il meurt de décès. Ah oui, je le ferai avec un autre. Ah non ! De quoi ? Ah ok, d'accord. Tu vas le faire j'ai de l'ancien qui joue là. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai eu peur. Que... Oh le moins 3 ! Il m'a désengagé, quelle pute, méchant. Ouais. Hop là, regarde, joue un autre lieutenant. Tac, 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 tac. Essaye de le mettre bien au milieu, c'est ça ? Il a pas bougé. Ah non, c'est vrai, lui il est ralenti. Par contre, il a été ralenti. Et il bouge plus. Ouais. Fin du tour. Et je regagne un point. Nous avons 2 points en réserve. Ah, oh, il s'est pris un rocher, hein. La roche est tombée plus tôt que prévu. Je sais pas si vous avez entendu. Et là, par contre, tu peux prendre Mélanine pour aller achever un maraudeur et t'as 2 points. Ouais. Et si t'as pas de bonus dans le dos, je te conseille de te mettre à côté de ton officier supérieur. Ouais. J'ai un bonus dans le dos, mais... Enfin là, si tu peux pas accéder à son dos, je parle. Ouais. Ça
C'est ça, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est... Hein? Je sais pas, j'ai essayé de faire une action, mais ça ne l'a pas... Ça fait pshhh, bling. On dirait que t'as claqué un fumi. Bah j'ai claqué un fumigène. Bah ça a marché. Non, ça a pas marché, j'étais toujours engagé. Bah non, c'était désengagé. Merde, ça m'a bien désengagé. Eh bah, sympa, le fumigène est assez sympa. Ok, bah, par contre ça m'a fait tout ramer chez moi. Le jeu, en opti, il a souffert sur la dernière mise à jour. Ouais, c'est pour ça que le 12 avril, j'espère qu'il sera un peu plus mieux opti. Ouais, bon après, bon, il le rend stable. Moi, ça, personnellement, ça me perturbe pas. Je pense pas non plus YouTube, hein, pour les deux connards qui la regardent. Ah, bonsoir les connards. La vengeance, la justice, mon mur. Allez, vas-y. Il a pas de garde. Vas-y, défonce-le. Avec un seul coup de latte. Avec le coup de pied. Voilà. Sacro-saint coup de pied. Ouh loulou. Ça, c'est une armure lourde. Oui. Il y a un arc... Ah non, putain, tous les arcs, c'est de la merde. Armure, rien, tout est de la merde. Ok. Mais il y a une armure lourde. Ouais. Je crois que le niveau de l'eau est en train de monter. Il va peut-être falloir sortir. Qu'est-ce que... Non, non, mais attends, il y a peut-être moyen de reprendre un tunnel. Ah, en fait, attends, il y a deux tunnels, c'est pour ça. Il y a un tunnel ici, mais il doit y avoir un loot ici, c'est pas possible. Sortir. Ou emprunter encore un tunnel là. Attends, je comprends pas. Ah, attends, je crois avoir compris. En fait, si tu fais emprunter là... Ouais. Et sortir de ce côté-là... On va voyager ailleurs. On sort un endroit. Allons voir. Ah, il faut que j'appuie aussi. Cool. Pause caramba. Sympa. On voyage, ça c'était pas avant. Hein. Ça a été ajouté. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Bah, c'est l'heure de la pause. Hein. Une petite pause tech. Petite pause. Bon, alors on va continuer à augmenter la force du groupe. Hein. Yeah. Ouais, on augmente que la porte apparemment. Hein. Bah oui, mais il y a que ça qu'on a en tonne. Ouais, je sais. Voilà. Et il y aura pas de, voilà, il y a pas de soldats versés. Il y aura moins un parce qu'il y aura pas d'alcool. Moins deux. C'est tout. Ah non, moins un. Non, moins un. Visiblement. Tranquille. Et on ne s'est pas fait agresser, ce qui est bien dommage. Non, ce que j'essaye de voir si à la longue, ce qui serait bien, c'est de voir si leur alcoolisme s'auto-traite. Alors, est-ce que la nouvelle armure, qu'est-ce qu'elle dit cette nouvelle armure? Pénalité de mouvement critique, c'est la même chose. Moins de garde, moins d'armure, moins de force. Ouais, mais bon, ça c'est donné aussi par mon plus 4 de renfort du cerf. Ok, ouais. Moins. En fait, au passage, y'en a pas un qui a besoin d'un petit renfort de renard là? Ça fait quoi s'il te plaît? Deux de move. Deux de move. Mais je suis même pas sûr que t'aies une armure qui peut accueillir ce genre de matériel. J'ai une armure niveau 7, mais elle est grise. Donc elle est même pas très intéressante. En fait. Non, mais c'est juste qu'il faut qu'elle ait un emplacement, justement, c'est pas grave, hein. On la vendra avec à l'occasion, hein. On s'en fout. Hein. Mais non, on peut les récupérer gratos maintenant. Oui, mais on s'en fout, on le vendra avec, on a ce qu'il faut. Vas-y, envoie sur Sophia, s'il te plaît. Ouais, tiens, hop. Je vais le mettre sur Sophia, elle a pas assez de move, comme on disait. Ah, elle va enfin se bouger un peu son gros cul, là. Elle a insupportable. Un mouvement, mec. 16. Ouais. Je vais te claquer une armure lourde, tu vas voir, ça va changer d'avis tout de suite. Hein. let's go. Une couscous là. Oh putain, t'as vu ce qui vient de se passer? Je sais pas, il y a des gens. Prends ta couscous, vite. 111 de soldes à verser. Là, il y a des gens. Les chevaux, les poneys. Le phare. Ah. Attaque surprise. Ouais. Ils étaient pas prêts. Ils sont dit, nous, on est des braves gens, on vit sur notre île, on paye des impôts. Blam. Attaque surprise. Je sais pas pourquoi, mais je crois que le phare, c'est une quête, hein. C'est le phare Aon? Ouais, ça doit être le phare Aon. Bon, on le laissera en vie, peut-être, alors, ce phare. Ou alors, on peut le piller, ça fera du stuff, hein, mais... Oui, mais non, s'il y a une quête, autant aller chercher l'argent avec, hein. Alors, il y a de la boue. Moi, je dis la boue, c'est pour les tireurs, hein. C'est pas pour les close combats, hein. Donc, moi, mes close combats, ils sortent de là. Genre, qu'est-ce qu'il fout là, Edenal, par exemple? On en a rien à foutre, casse-toi, tu vas se faire voir ailleurs. Os de barde. Os de barde doit être géolocalisé là. Le reste, j'en ai rien à foutre. Toi, tu places tes gars comme j'en ai... comme tu veux. Ah, quoi que... Ok, attends. Je te bouge des voleurs, hein. Hein. Vas-y. Je suis mec trop chiant. Je peux mettre un capitaine dans ce pack-là, si tu veux.
Un Taurus par là, si tu veux, par exemple. Voilà. Des lanciers, des lanciers. Je peux mettre un lancier peut-être plus par... Ah oui, mais non, pour avoir le bonus de mon mur. Est-ce que tu veux pas plutôt mettre mon mur? Ah, c'est quoi que... Mon mur, il va être emmerdé, là, pour passer, hein. Non, mais on s'en fout. Mon mur, il est là pour donner des points, à la limite. Ah, ok, d'accord. Ah, tu veux... Oui, pour qu'il puisse attaquer... Oui, parce que sinon, ça veut dire que je le joue, mais il peut pas... C'est ça. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, comme ça. Bon, allez, je leur mets Osdorbar de toute façon dans la tronche, après on en parle plus, hein. On rentre à la maison, hein, c'est ça. C'est ça. Ça le projet. Hein. Dis. Projet qui n'est pas dit. Ouais, ça va là? On a l'impression que tu t'es fait mal au cul. Allô? Non, j'ai le dos en vrac en ce moment. Oh là là, YouTube, il a le dos en vrac, hein. Ça tape trop fort dans le fondement. Hein. J'arrive pas à tous les embrouiller. Samedi, j'ai fait l'erreur de soulever un tapis tout seul de 60 kilos. Voilà, toujours des idées de con. Voilà. Ah, c'est triste, tu tapes même pas le seul mec qui va jouer. Il y en a un qui est encore vivant en plus. Ça ouais. Dégoûte ou pas? Ça dégoûte un peu. Bon, fini celui qui est encore en vie. Hein. Crève. Ah, on t'a dit d'arrêter de jouer à Taptoob avec la tête des gens, s'il te plaît. Ah merde, je peux plus l'atteindre. Ah, je manque vraiment de mouvement en secours. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Tu veux y aller avec Taurus? Ok, pas de soucis. Gifler! Gifler! Mettre des bifles! Les cacs, nous, on existe! Et l'autre, l'attaque de base. Pan! Ah, ah oui, non, mais attends, il veut pas parce qu'il m'a changé de gars. Et pan. Voilà. J'existe en cul. Oh, je peux pas l'atteindre. Attends! Moi aussi, je peux faire des trucs inutiles. Moi aussi, je suis un archer! Je suis capitaine avant tout! Ne l'oubliez jamais! N'oubliez pas mon autorité! Putain, mais les huiles de force! Tu sais que je l'ai même pas. On a même pas encore trouvé l'huile de. L'huile de Dex, hein. L'huile de Dex. Le pillard, c'est nul hein, de mémoire. Hein. Le pillard, oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein. Moi, je vais juste me positionner là pour scotcher ce type-là. Le renégat. Ah non, mais attends, je vais présenter. Ah ouais, trop tard. J'allais dire, je vais peut-être présenter le dos à tes archers, mais bon. Il est pas mort. Il est pas mort. Je l'ai laissé en vie. Il a pris 105 dans la face. Ça l'a détendu tout de suite. Voilà, il te présente son dos, le monsieur. Hein. T'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai joué tout ce que j'avais à jouer. Tu fais ce que tu veux. J'ai fait des embrouilles. Il me reste deux lanciers en réserve si jamais t'as besoin. Tirailleuse va essayer de se rendre utile. Ça va, sympa, tu lui fais gagner des points de déplacement, tranquille. Ouais, ouais. Est-ce que je suis pas un type sympa? Tiens, tu te déplaceras dans la mort. Non, il reste un mec. Non, c'est bon, ça va aller. Il reste un pauvre connard avec son... Avec son truc, là. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais son dos, mais je pouvais pas l'atteindre autrement. Et tu peux pas dans tous les cas, parce qu'ils ont pas de... Je te rappelle, ils ont pas, ils sont pas considérés. Ah si, ils sont considérés de... Alors, il y a une armure là, de dégâts d'opportunité. Ouais. Bon, ça a l'air d'être de la bonne grosse merde, mais on va quand même aller vérifier sur ce bon vieux Will et compagnie. Le phare d'Arthès, on repassera plus tard. Hein. Non, il y a personne dedans. Y a oui, pas de... on passera plus tard. Il y a des champignons là. On peut aller regarder, hein. Y a pas Attends, il y a des ressources là. Oh, tu veux qu'on crafte des trucs ou pas? Ça, c'est pour toi la couscous. Oui. C'est toi le sorcier. Là, non, plus de couscous. Et là, du métal. Métal. J'ai raté le métal. Là, il y a d'autres choses. Ça sent la zone de pêche. Non. Non, je me suis fait quoi. Ah, là, regarde. Là, il y a une zone de pêche. Une fleur de sorcellerie. Une immortelle. Oui, si tu veux. Fleur de sorcellerie. Là, il y a une zone de pêche. Hein. Le lieutenant est en déplacement. Le lieutenant va nourrir le groupe. Observez votre lieutenant.
En silence, s'il vous plaît. Applaudissez, mais vous savez, comme les gens trop cool dans les trucs, ils claquent juste des petits doigts comme ça, doucement. Ils sont cons, c'est pas rigolo, je vous jure. C'est bobo. Hein. Bah, regarde, ils sont en train de faire brûler leur ville avec des ordures. Et ça c'est les gens qui ont pas compris. Non, on va pas embêter les gens qui brûlent les ordures à Paris. C'est des braves gens. C'est des braves gens qui veulent pas travailler jusqu'à 64 ans et ils ont bien raison. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Ok. On peut aller voir le phare d'Artus. Ou d'Arte. Ou d'Arthès. Ou de Barthès. Il y a des choses. Il y a l'air d'y avoir un petit truc ici avec des poissons. J'ai pris les poissons. Il y a l'air d'y avoir une boîte là crochetée. Plus 10%. Oh là là. Corne des teux là. Hop, c'est bon, je l'ai. Ce serait pour un archer ça, mais bon. Quoi ? Pourquoi un archer ? Je sais pas, 10% de dégâts supplémentaires et. Ah, ouais, attends, super, y en a un... parce que tu crois que c'est les meilleurs DPS du groupe ? Ah, sardine. Parce que moi je veux pas dire, hein. Métaurus, hein. 10% de dégâts supplémentaires, on parle ou pas ? Oui, non, mais carrément. Ou pire ! Parce qu'en fait, je pensais à quelqu'un d'autre. Os de barde ! Oh là moins là. Un de mouvement, plus 10% de dégâts. t'as des sardines à récupérer au passage. Yes, je te les prends. Et je nous claque un point de co. Nous avons donc gagné un point de connaissance. Ouais. Pas de souterrain à explorer, pas de menthe fraîche, rien. Ah si, petite menthe fraîche là. C'est un truc de sorcellerie, c'est ça, tu la récupes. Je l'ai pris. Ou c'est un ingrédient de cuisine, j'arrive même plus à savoir. C'est bon d'atout ? Je sais jamais. On va pouvoir faire une petite pause, stuptose, parce que Os de Barde a pris un niveau. Ah oui. Donc. Et oui. Plan de carrière. Alors, on me propose naturellement de lui rajouter du mouvement. Ah. Or, non, je pense qu'il est intéressant qu'il ait 52 de force. On va peut-être aller chercher les sangles là. Ça peut être ne pas être déconnant. Les attaques ignorent 50% de la garde ennemie. Il y a des arguments. Non, si, il faut dire ce qui est. Non, mais oui, c'est ça, il faut le dire. Sinon, on a la tempérance, bien sûr. Hein. Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Il ne subit jamais deux attaques, le mec est mort avant. Face à face, tant qu'aucune autre unité n'est adjacente à cette unité ou à son adversaire engagé, elle a rivalité. Il faut qu'il soit engagé. Dégâts causés pour l'adversaire. Ou à son adversaire engagé. Oui, donc il faut qu'il soit solo cul. Ouais, moi je pense que Brisegarde. Ouais. C'est un argument acceptable. Pour moi, ça fait partie de ces arguments de tu tapes d'abord et on réfléchit ensuite. Ensuite, le poney. Le poney, rappelons-nous, il lui reste deux niveaux à prendre. Plan de carrière, constitution. Ah, ça y est, officiellement, le poney a plus de constitution que mon tank. Que notre tank. Il a donc 59 de constit. Notre tank de groupe a quand même 52 vanilla. Ah ouais. C'est quand même pas mal. C'est une belle bestiole quand même. Let's go. Vous voulez qu'on s'en aille, hein, je crois. Ouais. On avait regardé, pas d'autres zones de pêche sur les rebords. Les compagnies chinoises sont trop éloignées. Chinois, s'il vous plaît. Pardon, j'étais en train d'écrire un petit message. Non, juste rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Tu dégoûtes YouTube, hein. Je sais, je dégoûte toujours. Voilà. Ok, on remonte. Alors, est-ce qu'on... non, merde, excuse-moi. Je voulais dire. Hop. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit piton par là ? Genre un petit piton, on descend sur le côté, on voit s'il y a une zone de pêche qui apparaît, tu vois. Vas-y, de toute façon, on en a. Et, y a... déception. Il y aura peut-être un trésor ici, on sait pas, hein, pour l'instant.
J'ai trouvé un caillou qui brille. Ah, il bouge pas. Eh, hey, tu vas bouger, oui. Deux secondes. Centre de la fraternité. Ça, c'est pour les entraînements. Mais on a. Ah, on pourrait peut-être vendre du matos. Ah, bah ça, oui, si on peut leur vendre des merdiers, des trucs et des machins. Ah là. Alors, j'ai des petites boucles d'oreilles à 8$. Voyez-vous. Moi, j'ai des petits trucs. Ah, bonne question. Est-ce que je peux voir le journal des. Voilà. Commerce. Ça s'achète combien? Là, épices vendues à 65. En sachant que je les ai achetées à 45. Moi, je pense que je lui fourgue mes épices, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. C'est acheté 40, je les ai achetés à 45 et je les vends à 65. Ouais, ça fait. Ça fait une belle marge, hein. C'est vendu. Ensuite, les gemmes, on propose de les racheter à 130. Les gemmes ont été achetées à 90. Moi, je dis je vends. Oui. Et les fourrures achetées à 4, vendues à 98, achetées à 67. Moi, je vends tout. On vend tout, hein. Ça, ouais. Comme ça, on est léger, hein. Ça, c'est vendu. Des armures, des arcs et des panzani, tout ce que tu veux, un jeu de cartes. Une poupée, une statuette, des trucs, des machins, des merdouilles, des slips, des chaussettes. Je dois avoir quelques pruneaux qui traînent aussi. Est-ce que j'ai encore d'autres merdouilles qui traînent? Visuellement, je check, mais je vois pas d'autres merdouilles. Moi, j'en ai. Est-ce que tu me laisses... Ah, tu peux pas vendre depuis ton... Ah non, c'est... Tu vois mon inventaire, là? Non, je vois pas ton inventaire. Mais, Tu peux pas vendre, d'accord. Ah, c'est chelou, ça. Voilà, si je peux vendre, je viens de vendre. Ah d'accord, voilà. Est-ce qu'on se prendrait pas des maîtrises de compétences? Ah oui, bien sûr, j'ai envie de dire... Alors... Putain, surtout qu'on a 2900 balles, on peut se permettre un petit peu de violence, là. On peut s'en prendre 3 déjà, ce serait pas mal, 900. Achète les 5. Deux... Tu veux les 5? 3 x 5, 15, ça fait 1500 balles, vas-y. Hein. Bah vas-y. Ça représente la 5. Moitié du pognon qu'on a, vas-y, prends tout. Prends tout. Voilà. Ok. Et on va aller dans le camp pour... Je suis en train de réfléchir. On a dit que moi, il y a quelqu'un qui avait pas de course, pas de visée. Je vais prendre ça aussi. Kourou. Tout le monde a Kourou chez toi? Kourou, je crois que oui. Ah non, je me suis dit, il y en a un, il l'a pas. C'est pas Steven, d'ailleurs, qui l'a pas. Non, Steven, là. Will, là. Moi, je peux pas les prendre. Taurus, là. Ouais, mon mur. Os de barde. Oh, tout le monde, là. Tout le monde, là. Parfait, alors. Tout le monde, là. Voilà. On n'est pas trop mal, on peut aller faire un petit tour amélioré. Il y a des artefacts à améliorer. Ah oui, mais il faut que ce soit dans l'inventaire. Voilà. Et je crois qu'on en a qu'un seul, c'est Os de Bard qui l'a, c'est ça? Ouais, c'est Os de Bard qui l'a. Ok, c'est dans l'inventaire, allons voir. Première vue, c'est... Ah si, c'est améliorable pour 550. C'est Os de Bard, hein. C'est amélioré. Et ça sera encore améliorable, mais on n'a pas le budget. Est-ce qu'il a le niveau pour l'équiper aussi? Normalement oui. Parce que normalement il te propose pas là les niveaux 7. Ah oui, lui est passé niveau 8, c'est vrai. Et de toute façon il te propose pas d'améliorer une arme au-delà de ton niveau. Ouais, et bien dès qu'on va dans le campement. Après on va dans le campement. Ouais, let's go. Hop. C'est quoi le deuxième gars là, frère Renaissance Volt? Il y a rien à dire lui, c'est... Oui, non, il est le PNJ de décoration. Ok. Ok. On peut sortir de là et aller au campement. Pardon. Hop. Alors... Je vais te mettre... T'entends encore à l'étouffer, là. Ah, super. T'entends encore à l'étouffer, monsieur. C'est mieux, là? Alors, je t'en ai mis 2 dans le coffre pour que tu puisses regarder les améliorations de ton côté. De tes passifs, de tes trucs, et... Et puis voilà. Ah oui, Moi, j'ai rien. 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 Rien, j'ai rien amélioré chez moi. Autre question. Et le pa... Attends, si, t'as le passif de 50 plus. Ah, attends. Je peux pas le voir puisque, excuse-moi, c'était dans le truc de camp, c'était pas sur moi. Os de Bard. Os de Bard, oui, je peux améliorer du passif, je peux augmenter sa cruauté. Bah déjà, regarde le truc quand tu fais le 50% d'ignorer l'armure, je suis sûr que ça te passe à 100%. Oui. Enfin, de la garde. Pardon, la garde. C'est acquis.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors attends, mes dégâts critiques sont augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus. Dégâts critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus. En retour, elles infligent 20% de dégâts de moins à cette unité. C'est pas utile, il n'y en a pas beaucoup qui restent en vie. Hein. Il y en a pas. Non, voilà. C'est vrai. À mon beau mur, il n'y a rien, il est déjà à fond, c'est le meilleur. Taurus, c'est le meilleur. Ouais. Lieutenant Will, c'est le meilleur. Stevie, c'est le meilleur. Ah bah moi j'ai que os de barde à améliorer, sa deuxième et c'est terminé. D'accord. Moi j'ai pas mal de choses à améliorer de mon côté. Et bah moi, tu sont tous améliorés, tu te débrouilles. J'ai ma frénésie que je peux récupérer si je tue. Ok. Et triple attaque dans le dos avec Sophia. Ok. C'est pas mal hein. Zinlen. Oh, Zinlen ça peut être très intéressant. Tu sais ma flèche quand je mets un coup critique, oui. Qui applique le saignement. Bah ça me donne en plus 35% de dégâts critiques. Ah oui. Mais c'est dans le dos. Non. Non, c'est dans la zone. Non, non. Non, non, c'est quand je mets un critique, tu mets 35% de dégâts supplémentaires et j'applique le saignement. Ah, c'est pas mal, ouais. Il a combien en taux de crit 29%. Ok. Il va falloir que je le monte encore. Oui, c'est intéressant. Hein. Bon, bah je... Bah c'est monté. Ouais. Edenal. Ah. Deux points de coup en réserve. Hein. Ouais. J'augmente les dégâts du tir de recul et ça ralentit pendant deux tours. Sachant que toi, tu fais plus de dégâts quand je ralentis quelqu'un. Ouais, à voir. Mélanine, arme empoisonnée. Chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique d'autres poisons. Le poison appliqué est propagé aux cibles ennemies adjacentes. Oh, ça peut être très intéressant ça. Et tirailleuse, pas tirailleuse. J'ai acheté de la merde pendant que t'as eu de quoi? J'ai acheté de la merde pendant que t'as eu de tourner. Je t'ai acheté de quoi faire les boucles. Cool. Et j'ai acheté, parce qu'on avait deux points, l'anguille bouillie, donc j'en ai fait une vite fait, ce qui nous a remonté l'autre jauge à la moitié de connaissance. GG. Voilà. Eh bien, je vais faire le choix de, pour le moment, économiser les deux points. Donc je vais les mettre dans le coffre. Voilà. On va bientôt tous monter niveau 8, donc au moins le crew principal qu'on avait. Ah au début, oui, tu pourras améliorer tes gars. On va pouvoir améliorer les gars. Yes. Bah, je t'invite à aller sur ta table de craftage et nous sortir les bouclettes. Hein. Une Alors, bouclette les bouclettes, les bouclettes. Pour le gros. Les bouclettes. Il me faut 3 de cuir, s'il te plaît. Ah oui, 3 cuir. Excusez-moi, je vous file ça tout de suite, monsieur. 1, 2, 3. Et en vrai, j'étais en train de me demander, j'étais en train de me dire, heureusement qu'on a fait l'abreuvoir pour les chevaux, là, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, le poteau d'attelage, ouais. Parce que sinon, je sais pas comment on porterait tout le bordel qu'on porte. Hein. Et surtout, on en a récupéré un troisième, hein. Enfin un cinquième. Oui, on a récupéré un cinquième poney, ouais. On a, en plus. En fait, notre groupe est divisé en 3. 5 pour toi, 5 pour moi, 5 poneys. Ah, c'est ça. Moins 1 de move, 10% de dégâts, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Honnêtement... C'est posé, c'est toi qui vois. Honnêtement, je le mettrais bien sur Vinlen. Vas-y, parce que c'est lui qui attaque le plus souvent. Au final, dans les gros packs. Quand on décide de mettre des trucs, donc 10% de dégâts supplémentaires, ça peut être très intéressant. Il est où, Zilon? C'est bon. Non. Il est là. Il trimballait quoi, lui, Zilon? Il avait... Ah. Contre les cibles qui saignent, il a 10% de coup critique. Ouais, c'est mieux ce qu'il a, là, je pense. Même si, je te cache pas qu'une aiguille, je crois, est encore plus intéressante que toutes les merdes qu'on a là. Le problème que j'ai avec l'aiguille, honnêtement, c'est que... Est-ce que tu veux bien sortir ton inventaire? Merci. Ah, pardon, oui. Oui, le vas-y, problème que j'ai avec l'aiguille... C'est que comme on ne sait pas si les animaux sont considérés avec des armures légères. Ouais, mais et je vois. Alors, en fait, je vois pas l'intérêt. Parce que, oui, armure légère, etc. En fait, il faudrait juste qu'on voit plutôt dans les packs d'ennemis. Parce que les animaux, je crois qu'ils sont considérés sans armure. Oui. Il faudrait juste qu'on voit. Parce que les animaux, c'est pas un danger, hein, excuse-moi, mais. C'est pas un danger, mais c'est pas un danger. C'est le gros de ce qu'on tape, mais c'est de la bouffe, hein. On tape de la bouffe. Hein. Donc, ouais.
Je m'en remets, tu vois. Du bois. Ouais. Ouais, taper de la bouffe si tu veux, bon. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, quoi. Ah, bah tiens, les trackers. Ouais. Ouais, trouver les trackers. Et bah écoute, ça fait déjà un bon épisode. Non, ah oui, c'est clair. Des bisous YouTube, on se retrouve à la prochaine. Zoubizou. Des bisous YouTube, à la prochaine. Avant de relancer. T'as coupé là? Non, pas encore. Des bisous YouTube, là, t'es en train des de parler. Ouais, frère, finis tes phrases, quoi, aussi. Des bisous YouTube, pardon. Ciao YouTube. Oh, chut.